Ah bah nous, on va boire un coup aussi. Hein. Allez les amis, ça va bien? Bah écoutez, j'attends Greg, alias Bob Morris, qui vient chercher sa petite mixette que j'ai commandée pour lui parce qu'il n'y avait pas de compte chez Amazon. Donc il a lui à 100 balles. C'est la même que la mienne, hein, petite mixette juste pour faire de la prise de son. Hein. J'ai fait un petit cadeau, tiens. Alors, il est déjà 18h30, alors je sais pas ce qu'on va faire comme jam. On va sûrement faire un jam. Alors moi, je pense que je vais utiliser que le Monopoly. Et vu que lui, il va venir avec le Polydé, on va essayer de faire un truc pur analo. Hein. Alors je sais pas si je vais utiliser comme boîte à rythme dans le Brut Impact ou la Caille Force, on verra bien. Bah il doit prendre sa gratte aussi, parce que lui c'est un guitariste à la base. Hein. On va y arriver, il est là. Avec sa guitare. Bob Morris, ma pote Greg. Non, c'est Jimmy Page hein, qui est arrivé. Elle a ramené son bébé. Alors du coup, on va essayer de faire un petit jam improvisé. Une improvisation, on va dire. Hein, ça va être... hein bon, je vais utiliser ça. Hein. Et puis la Caille Force, et puis juste pour faire un petit rythme de base. Hein. Et puis on va essayer de, hein, tu vas essayer de rajouter un peu de. Ouais, un peu de gratte. Voilà, les amis. On va faire un peu de boulangerie, puis on verra bien ce que ça donne. Ouais. Belle gueule, tu vois, il faut un médiateur vachement. Hyper standardisé, tu vois. Parce que sinon, j'arrive pas à jouer. Donc tu vois, avec un ciseau, et puis une bonne carte de crédit. Voilà, c'est pas une carte de crédit, c'est une carte de petite pub, Décathlon, on va peut-être toucher des sous. Bah, tu te fais un truc, puis avec ça, je pense qu'on va y arriver à jouer. Quoi. Bon, d'habitude, j'ai un truc exprès, mais là, je le fais au ciseau. Mais comme j'ai tout oublié, on va faire comme ça, tu vois. Ah, bah, ça y est. Ça, c'est la classe. Avec ça, je te fais des riffs, mais de ouf. Bon! Bah parce que là, faut que je vous explique. Hein. Alors Greg, alias Bob Morris, qui dans le temps s'appelait Seigneur Touco, c'est parti d'une association dont j'étais le président. Une association de musiciens de musique électronique, en fait. Débutant à MAO, c'était en 2001. Donc on s'est bien marré, hein, surtout avec lui, quoi. Parce que bon, il faisait des trucs vachement space, hein, puis plutôt marrant, dans une reprise de Redemption Song, qui m'a tué. Et... donc, on a bidouillé comme ça pendant quelques années, hein, jusqu'en 2005-2006 à peu près. Après, moi, j'ai arrêté parce que je m'étais mis à mon compte et donc j'avais plus le temps de m'occuper de cette association qui s'appelait Zik Machine. Donc après, bon, bah, les gens se sont plus trop vus. Les gens sont un peu séparés. Bon, c'est la vie, quoi. Et il y a quelques mois, Greg m'a retrouvé sur Facebook avec un pseudonyme là, con, hein, Bob Morris. Et je l'ai reconnu direct. Hein. Et il venait d'acheter un Polydé. Bon, il vient de l'acheter. Hein. Il voulait une console, donc puis il n'y avait pas. Comme je l'ai expliqué là maintenant. Bon. Du coup, je l'ai acheté et on s'est arrangé, quoi. Et du coup, il est venu passer la chercher à la maison. Puis on s'est dit, bon, on va faire un petit jam, quoi. Donc il a pris sa gratte et tout. Mais ce qu'il faut se dire, c'est qu'on n'a pas accordé les synthés. Enfin, on les a accordés ensemble. Mais ils sont pas accordés en bonne et due forme, on va dire. Hein. Donc on n'a pas pu faire de gratte là-dessus. Donc il avait pris sa gratte pour rien. Quoi. On a essayé, mais bon, c'était pas la peine. Désaccorder toutes les cordes de la gratte comme ça, c'est pas possible. Alors avant de continuer, je préfère vous prévenir que le jam est assez spécial. Hein. C'est fait à l'arrache. Hein. Sauf qu'ils vont vous sembler bizarres. Donc on a utilisé quand même des effets, hein, parce que bon, d'analogique brut comme ça, c'est pas vrai. Donc sur son Polydé, il y a son chorus d'origine, derrière j'ai mis un trémolo et un loopérateur qui fait des... Vous allez voir, de temps en temps, il y a des bruits qui ressemblent à des portes qui grincent. Des grosses portes en fer qui grincent, c'est ça en fait. C'est le loopérateur que j'ai programmé, qui prend des sons aléatoirement, enfin pas aléatoirement, c'est calculé quoi. Qui va prendre des sons de temps en temps du Polydé et qui va les moduler, les transformer en fait. Et puis sur mon Monopoly, j'ai mis juste un chorus et un petit compresseur. Et puis vous allez voir qu'il y a des sons qui ressortent bizarrement aussi du Monopoly, c'est parce que j'ai utilisé la section qu'ils appellent FX, mais qui est en fait un semblant de FM. Hein. Donc avec la roue de modulation, en fait, de temps en temps, il balance des sons assez bizarres. Et puis pour la batterie, on s'est pas fait chier, hein, j'ai pris j'ai mis un rythme simple qui ressemble un peu à un morceau de New Order. J'ai pas fait exprès, bon. Si vous voulez, on n'a pas été réellement enlevé par les Martiens, hein, mais disons qu'on a dû le rêver, je crois. Oh, je fais une vidéo pour rien. Hein.
problème, c'est que je peux passer de l'autre côté, mais je tiens. Ah, c'est quoi? J'ai bien fait de regarder, on voulait pas ta tête. Ah, je suis grand, merde. Ah ouais. Alors, façon de jouer, comme ça. Ouais. Comme PC, si. Non, non, c'est bon, là, j'ai réglé le truc. Hop, hop, hop. Petite lunette de soleil. Je vais sûrement bouger, tout ça, pour voir si on joue bien. De toute façon, on va tout voir, t'es plus grand que moi. Moi, je fais ça, je touche mes seins. De toute façon, en plus, il y aura un autre téléphone, donc. Bon, pas un coup. On en rejette un. Ouais. Allez, hop. Je mets en play. Ouais. Donc on a dit quoi? On avait réalisé quoi? Hein? On avait dit quoi? Quand est-ce que je bouge des boutons? Quand on est en là tout seul? Ouais, quand on est en là tout seul. Après je peux varier les là d'octave et tout ça. Attends, on va le bordel. Ouais, on avait dit là sol. Go. C'est bon. La do. La sol. Ouais. Attends. Tu veux que je refasse mon séquenceur? Sol là ou la sol? Tu veux que je refasse mon séquenceur ou quoi? Ah ouais, il faut le refaire avec les cartes. On va essayer d'abord. C'est de la Rémi, hein? La Rémi. Ok. Ou la Mireille? Ça va pleuvoir les pas, hein? Je vais prendre une baguette dans l'œil, j'ai rien à comprendre. Attends, j'ai essayé la Rémi, là. Vas-y. Oh putain, les pas! T'as peigné! Ah ouais, j'ai peigné! T'as peigné! Putain, laisse tomber! Moi, quand t'avais pom-pom, j'étais bon, hein! Attends, j'aurais mis la traque à zéro. Hein. Putain, il est où mon verre? Ça va pas le faire! Filme-moi mon verre! Ça sonne mieux que tout à l'heure. Trouves pas? Ouais. Peut-être parce qu'on est plus. Enfin, moi, je suis plus. Ah, mais... C'était mon contrôle. Bon, ça remet en l'eau.
Excellent. Oh le truc putain. Un truc de fou. Oh la vidéo c'est bon. Hey.